Bon, on est de retour sur Vacarme.net avec Nathan de G2. Alors Nathan, la victoire contre Norse, 2-0, c'est beau? Ouais, bah surtout que Norse, bah voilà, on sait un peu que c'est un peu notre adversaire, quoi. Il y a eu des problèmes un peu dans le passé. Mais ouais, gagner de cette manière-là, franchement, je pense qu'on a fait deux très belles maps, même si on se fait un peu remonter. On a pas mal maîtrisé de bout en bout, donc ouais, on a extrêmement bien joué tout le long du tournoi et on est super content de ça, quoi. J'ai l'impression que le match il s'est plus fait sur Inferno que sur Kubble, même si Inferno c'est votre pick. Mais j'ai remarqué que vous n'avez pas trop agressé le mid en tant que CT, vous n'avez pas trop pris dès le début. Est-ce que c'est justement un peu, pas de la peur, mais vouloir bien faire, pas faire d'erreur, pas mourir bêtement? Dans ces moments-là, quand tu mènes 11-14, ouais, tu veux pas donner le match, tu veux donner les rounds importants comme ça, juste parce que tu prends un kill, parce que tu veux tenter un move. Donc au final, on était assez passif au début, parce qu'on savait plus ou moins comment ils jouaient, en gros, comment ils prenaient les zones. Donc on a fait très gaffe à ça, et au final, ils nous ont martelé sur la banane, ils avaient des très bonnes prises. Heureusement, ils ont choisi de venir deux ou trois fois en bas, donc on a réussi à mettre des rounds là-dessus et à gratter. Et après, de toute façon, c'était le maître mot, c'était juste réussir à gratter les rounds à gauche à droite. Et il ne restait pas beaucoup à faire une fois qu'on avait mis le GR. Donc, c'est voilà. Peu importe s'il remonte ou pas, du moment qu'on arrive à gratter ces petits rounds, ça passe quoi. Il n'y a pas trop de soucis. Donc, c'est le premier gros succès avec G2, prochaine e-league top 1 de du groupe. On a un très très gros groupe. De toute façon, maintenant c'est l'objectif, mais il faut qu'on reste surtout dans cette mentalité de match par match. C'est ce qui nous a fait beaucoup de bien sur cette LAN. Ce qu'on n'a jamais vu plus loin, on s'est entraîné quand on a Prague, on s'est entraîné pour les poules, après on s'est entraîné pour les quarts, etc. etc. Et si on garde cette mentalité sur le long, il y a de fortes chances qu'on puisse continuer à grind. Mais voilà, il ne faut pas retomber dans nos travers où on gagne un tournoi et ça va travailler un peu moins, ou ça met un peu moins de motivation dans les autres matchs. Et donc, ça, il ne faut absolument pas que ça arrive. Et voilà, j'ai confiance qu'on ait repris la bonne base et que maintenant, il y a juste à essayer de monter. Ok, merci et bonne chance pour les prochains events. Merci. Encore bravo. Merci.